Voici Monsieur Tanguy Pastureau. Alors, je vais vous parler d'un Espagnol trop caliente et qui fait exceptionnel, n'est pas un personnage gênant de Cominec. Luis Rubiales, le président de la Fédé de foot là-bas. Quoi ? Seulement maintenant ? Il est tellement en retard, Pastureau, qu'il doit avoir conclu un partenariat avec TGV Inouï, se disent certains auditeurs d'Inter. Oui, il est nul, virez-le, se disent d'autres auditeurs d'Inter. Non, ça reste mon bébé, se dit ma mère. Ah non, maintenant c'est mon bébé, se dit Adèle Von Red, directrice de la station. Ça va être long, cette chronique, jamais j'aurais dû revenir, se dit Morgane Cadignan. Pastureau, se dit Daniel Morin. Mais laissez-moi insulter de voix à la con, je me dis moi. Alors ok, je vous le concède, l'affaire Rubiales, ça date du 20 août. C'est vieux à notre époque où tout va vite. Vous vous rendez compte qu'il est déjà... Il est déjà 12h12. Donc je resitue, nous sommes le 20 août, jour que ceux qui respectent les liaisons appellent le 20 août. Nous sommes à Sydney, en Australie, pays peuplé de surfeurs splendides et de koalas cramés. L'équipe de foot féminin d'Espagne vient de gagner la Coupe du Monde et Luis Rubiales est enthousiaste. Trop enthousiaste. En fait, il est animé du même enthousiasme que les Tekken en rut. Qui pousse la bête à se frotter avec la langue qui pend. Hugo Clément fait ça sur du tofu. Rubiales, en effet, doit féliciter les joueuses, donc leur dire bravo, j'adore ce que vous faites, ce que nous disent ici les invités à la fin de l'émission pour être gentils, alors que 80%, ils sont consternés. Seulement, Rubiales est le seul Espagnol à pas aimer discuter. C'est un taiseux. Et au lieu de causer, il attrape la tête de la joueuse Jenny Hermoso et se la colle sur ses lèvres à lui. Ce qui laisse la dame en état de sidération. Parfois, ça fait ça. Le jour de la rentrée, Nagui, pour me démontrer votre joie de me revoir enfin et le fait d'avoir enfin un sens à votre vie, vous m'avez fait un hug. J'étais dans le même état. Raide, sans savoir comment réagir. J'avais le nez dans votre nuque. Ça sentait le shampoing Nux Rêve de miel. J'avais l'impression d'être un apiculteur qu'une de ces abeilles bien trop grosses a décidé de se taper. Ce qu'a fait Rubiales, ça a un nom. Ça s'appelle un baiser forcé. Alors, tuto, comment savoir si oui ou non on va faire un baiser forcé? C'est simple. Vous dînez à Hippopotamus et la personne a montré son intérêt pour vous en léchant son entrecôte, en vous regardant dans les yeux, puis en s'étalant de la mousse au chocolat sur le torse avant de s'auto-laper les tétons. Bon, vous savez que le baiser qui va suivre ne va pas être forcé. Vous êtes en pleine cérémonie de remise de Coupe du Monde, dans un cadre pro, où le fait que vous soyez en sueur est juste dû aux 90 minutes de match et pas au fait qu'un libidineux prénommé Luis est face à vous, le baiser donc sera forcé. Et hier, j'étais sur le net à regarder des tableaux de Pierre Soulages, c'est ensuite que j'ai réalisé que j'avais pas allumé mon écran. Quand soudain, je lis l'info suivante, je cite « Woody Allen soutient Rubiales et ne voit pas ce qu'il y a de mal ». Et là, je me dis, il y a des soutiens qui tombent mal. C'est comme si Bastien Chalureau, le rugbyman accusé de racisme, était soutenu par le Ku Klux Klan de l'Alabama. Alors Woody Allen, l'auditeur d'Inter Canal Historique, le prof de centre-gauche qui fait des rêves érotiques dans lesquels Pierre Arditi caresse avec la tranche d'un numéro de l'Obs. Bon, le connaît. C'est le seul homme dans le milieu du cinéma à porter un bob. Tous les autres porteurs de bob attendent le passage du Tour de France. Et Woody Allen, vous le savez, a été soupçonné naguère d'avoir abusé de sa fille adoptive Dylan, accusé mais jamais condamné. Alors la fille a toujours dit il l'a fait. Son frère, après l'avoir soutenu, a fini par dire non, en fait papa est innocent. Lui, Woody, s'est marié avec une autre de ses filles adoptives. Mia Farrow, l'ex-compagne, a aussi ses zones d'ombre. Enfin, tout ça est moins gay qu'un film des frères Dardenne. Si vous imaginez avoir une famille dysfonctionnelle, pensez à celle-là, ça va vous passer. Et là, Woody Allen, en ce moment, est à la Mostra de Venise. Ils ont aussi pris Roman Polanski. En fait, ils ont fait un strike. La Mostra, c'est un festival de cinéma comme Cannes, mais avec de l'eau, quoi. Et là, le journal espagnol El Mundo interroge Woody. On lui parle donc de Rubiales. Et là, c'est le drame. El Dramo. Il déclare, ça va, il ne l'a pas violée, c'était juste un baiser et c'était une amie. Quel mal y a-t-il à cela? Voilà, alors au passage, notons sa conception très large de l'amitié. Ça rappelle celle du père Lelay, est une ordure au moment où il y en a un qui veut sodomiser Thérèse. Et détail, Madame Hermoso, la joueuse de foot concernée, a quand même répété 20 fois qu'elle était moins consentante ce soir-là que Jean Messia, si une femme de la gauche plurielle sapait en l'un, essayer de le papouiller à la sauvage. Bref, Woody Allen fait de super films. Moi qui suis névrosé, je me reconnais totalement dans son œuvre. Mais il faut juste arrêter de l'interviewer parce que là, ça part en noix de cajou, comme disent Ben et Nuts quand ils n'ont plus de cacahuètes. Alors après, est-ce que Woody Allen a fait ses déclarations parce que c'est un satyre qui n'a que son pénis dans la tête et pour ça, il faut être souple? J'ai un ami trapéziste aussi. C'est une question de génération. Je veux dire, les seniors ne voient pas les choses de la même manière que les kids. Tiens, pendant Me Too, exemple, des actrices de légende avaient quand même
même signé une tribune défendant la liberté d'importuner. Alors, de légende, ça veut dire vieille. Hein. Ne s'agit les tubes de légende, c'est Jean-Pierre Madère. Quand vous entendez les poèmes de Michel de Terry Moïse, vous dites, c'est une nouveauté. Hein, voiture de légende, ça signifie elle est au garage, ils n'ont pas les pièces. Acteur de légende, ça veut dire t'as des nouvelles d'Alain Delon, parce que j'espère que ces chiens l'ont pas bouffé. Quoi. Et Brigitte Bardot, il y a 15 jours dans Le Point, disait, pendant les tournages, j'adorais qu'on me mette la main aux fesses. Alors qu'aujourd'hui, on fait ça de suite. Daniel Morin nous dit, mais enfin, je ne suis pas qu'une chose. Reste qu'en cas d'agression sexuelle, être soutenu par Woody Allen, ça revient quand on est accusé d'évasion fiscale, avoir le soutien depuis Dubaï de Nabila. Merci. Oui, Pastoureau.